Salut à tous, ici Coca, on est parti pour une petite vidéo sur Hello TV en ladder, un petit truc simpliste, et oui, on se prend pas la tête, et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo, je m'en rends compte, ne vous en faites pas, comme je l'avais dit sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne me suivent pas. Faites-le d'ailleurs, j'étais en partiel, je faisais beaucoup de passages sur gaming, j'ai commencé mon stage, j'ai acheté une petite machine de guerre, bien sûr, je mets de la musique, voilà, du petit Monster 4. Et du coup, ouais, j'ai pas eu le temps de faire du tout une vidéo, mais là je vous en fais une qualité de porc. On va streamer, enfin, on va enregistrer avec énormément de qualité et on va faire une petite game contre Laoslon en Zerg. Pourquoi en Zerg? Parce qu'on traîne pour le tournoi Intercaster qui commence la semaine du 13. Non, pas du 13, on est le 12. 13, 14, 15. Semaine du 15. Hop, voilà, bien sûr. Voilà, regardez ça, la qualité de l'image qui est juste affolante. Juste surprenante. Bluffante. Et là, voilà, j'ai déjà fait un drone de trop. Comme quoi, je suis pas prêt pour les TV. Hein. Là, si je joue contre Funka et tout, je me fais dérouiller. Oh, ça bouge pas la caméra, il faut que je règle ça. Alors, option, contrôle, sensi de la souris, défilement de la souris. On va le monter comme ça. Hop, 50, ça me paraît être un bon chiffre. Voilà, beaucoup mieux. Allez, on va aller faire une petite hatch du coup. Ce qui est un peu con d'avoir fait l'over du coup. On perd juste du temps. Comme quoi, il faut que je ponce. Hein. Faut que je ponce cette télé, j'ai aucune idée des starts en Zerg. Et en fait, on m'a mis Zerg. Pourquoi? Parce que en Terran, je les aurais tous défoncés simplement. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que sinon, il y a trop de Terran. Et donc, du coup, on m'a demandé de jouer Zerg. Et moi, en grand prince, j'ai dit oui. Yeah, chef, my friend. Yeah, chef. Bien sûr. Bien sûr. J'ai un chef pour les vrais. Allez, je pose une poule à 16, ça me paraît viable. Je regarde si tout s'enregistre bien. Oui, tout à fait, oui. En théorie, demain. Eh ben, ça stream demain. Faut que je m'occupe d'un petit truc sur le PC. Mais en théorie, demain, je stream du Hello TV toute la journée. Training hardcore en Zerg pour le tournoi. On est à 17. Je vais faire un drone de plus et le prochain sera un over. Ça me paraît pas trop con. À 18, la queen, on lancera la queen. Ouais, ça me paraît bien. Allez, attention. Le petit over, voilà. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'était un over. Bon, bah, je suis bien content d'avoir fait. Ça se trouve, il fallait faire des Nordic Pool. On m'a dit qu'on pouvait faire des 12-12 en Zerg. Et que c'était violent de l'espace. Du coup, je vais faire des glings là. Hop. Voilà. Hop. Ah, il marche pas mon bouton backspace pour aller d'une base à l'autre. Il ne fonctionne pas. Pourquoi? Caméra. Caméra base. Ah voilà. Voilà, nickel. Ok, hop. Alors ici, on est à 100 de gaz. On va continuer le miner avec deux péons. C'est bien un over. Oui, c'est bien un over. Allez, hop, j'ai entendu les queens sortir. Mon drone. On va bien saturer la B2. Je connais pas la musique. Hein. Je ne connais absolument pas la musique. La musique. Petit pata bending. On ne sait jamais. De toute façon, il n'y a pas de Zerg au tournoi Intercaster. Le moment n'est pas là. Petit over. Et on va aller scouter un peu ce qu'il fait le gaillard là. Oh là là, il y a quasiment plus de minerais déjà quoi. Oh, c'est abusé. Ok. Ok, alors ça se passe pas trop mal, hein, bien sûr. On lui envoie des petits glings. Alors, est-ce qu'il a pris une B3? Non, ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Mais non, il a pas d'unité. Me dites pas qu'on va gagner là-dessus. Bon, bah, du coup, on lance un T2. Plus de minerais.
suis archi vu. Come on! Je fais des petites fautes de frappe, c'est un nouveau clavier. Hein. C'est pour ça. Attends pas, je fais une vidéo. Tu passes sur YouTube, papa. Voilà. Papa dit bonjour. Donc du coup, hop. C'était une petite private joke par rapport au fait que mon PC chauffe pas mal. C'est ça dont je dois m'occuper pour être opérationnel demain en stream. Oh là là, les over qui sont pas répartis, c'est mal joué ça. J'ai vu qu'il y avait déjà des chambres d'Evo. On va en rajouter nous aussi. Voilà. Papa qui me soutient pas mal hein, sur les projets YouTube d'ailleurs, c'est très cool. Ça le fait kiffer. Oh là là, j'ai beaucoup de minerais quoi. Allez bof. On va balancer un bataroche, peut-être ça pourrait être sympa. Allez, hop, on va saturer ici. Ici, on va envoyer 2-3 glings coûter quand même. Mine de rien, on s'est pas mis trop mal avec nos trucs là. Allez, hop, une fournée de drones. We don't give a damn fuck about that shit. Hop, hop. Ok, il a pas encore de B3. Négocie le virage. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ah. Je vais prévoir un petit bataille de rage. Je sens bien les mutales. Man, j'ai pas la place ici. Catastrophe. Oh, come on. Hop. Bah, je crois qu'on est pas mal en termes de drone là. Hop. On va balancer quelques cafards. Voilà. Et là, on est bien là. Ça, on va pas le rechercher. Ok, les petites larves, ça me paraît pas mal d'en faire. Il est un de défense, ok. Rien de tout à fait incroyable. Ah ouais, il y a les lurkers, exact. Faut vraiment que je fasse de nouvelles unités aussi. Ah ok, il a des roaches. Je vais sacrifier ces erglings là, de toute façon ils me servent à rien. Ouais bon, c'était pas ultra rentable. Ok, ok, tiens on va cacher la plaque. Oh attention les banglings, faites pas les cons quand même. Tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça c'est cool ça. Ah il faut de nouveau chercher. Ah oui ça c'est pour ouvrir, améliorer le boost speed, ok. Je vais aller prendre une cette base là, là. Allez on va droner un poil encore dessus. Voilà comme ça. Supply block, ça c'est très mal fait de ma part, bien sûr. Et on va aller un petit peu le pourrir là. On a une petite masse armée qui est pas naze. Why can I click on your... Ah. In your option. Options. Ah, j'ai du mal à écrire. Non, on va lui dire de fixer ça. C'est où déjà? Ok, paf, c'est reparti. D'ailleurs, ça me fait penser, il veut cliquer pour voir mes améliorations. Donc nous, on va les lancer, bien sûr. Hop, hop, ok. Alors, là, il y a un caillou, mais je vais pas me faire chier à le casser. Oh mais j'ai tellement trop...
Oh là là, on négocie bien la fight. On lui interdit la choke. GG, well play. C'était court. C'était très court. On va en lancer une autre rapide au 5. Les parties de la TV sont tellement plus rythmées maintenant, quoi. 9 minutes de jeu, j'avais 180 de pop, je crois, un truc comme ça. Ou peut-être 160, on va dire. C'est ultra rythmé. Ah, JL qui me demande si je plais. JL, je fais une petite vidéo YouTube là, et ensuite tac, je m'occupe de vous. Sur CS, je vais leur refaire les fesses. Ok, c'était pas mal. Combien de supply blocks? 50 secondes, ça fait beaucoup en 9 minutes de jeu. 80 ouvriers créés, ça c'est propre. Comme quoi, j'ai bien eu raison de lancer les derniers, j'ai hésité à les lancer vraiment, mais j'en ai lancé une dizaine, mine de rien. Avec tous les bâtiments créés, j'avais peut-être même pas assez encore. Ok, 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 t'es un bandit, t'es un méchant, tout ça, t'as tué des gens, tu te fais beaucoup d'argent. Allez, encore un aléatoire. Les gens qui profitent un petit peu de l'aléatoire et qui veulent tester toutes les races ont entièrement raison. Vraiment pas de soucis avec ça. Je valide. On pourrait me dire leur race quand même, mais bon voilà. On n'est pas. On n'est pas non plus sur le jeu le plus gentleman de la Terre. C'est peut-être la belote hein, en ligne, le jeu le plus gentleman de la Terre, à vrai dire. Alors. Donc, du coup, je pense que ce qu'il faut faire, c'est monter à 14. Et at first, quoi. Genre direct. Jihad chef. Paf. Pouf. Ça fonctionne bien l'enregistrement? Bien sûr. Bien sûr. Franchement cette cam elle est tellement belle quoi. C'est un truc de ouf. C'est une nouvelle Logitech que j'ai acheté. Logitech C10, C310 un truc comme ça je crois. J'ai la boîte là. Non C920, ok j'y étais pas du tout. Multiplié par 3 on enlevait 10 et on l'avait. Hop, voilà. Alors je sais pas s'il faut faire un over et puis ensuite le drone. Je vais partir sur ça. Hop, ici lui je vais l'envoyer là. L'over, d'accord, tout est pour rien. Ah, et là il faut que je fasse plus de dominants. Mais je pense que je vais faire deux drones. Et puis lancer la poule en fait. Ça me paraît pas trop mal. Faudrait que je regarde des streams un peu de mecs chauds là. Regardez ce qu'ils font eux. Ça ressemble les BOHETS en LOTV en Derg. Bien sûr. Monster 4 qui est beaucoup critiqué. Moi honnêtement je trouve ça sympa Monster 4. C'est lourd. Ok, hop, lui on a oublié de le rajouter. Voilà bien sûr. Allez, hop. Ici on a pas mal de drones. Lui on va le rally point ici directement. Lui aussi d'ailleurs. Ouais bon c'est con parce que je remplis mes gaz en fait. Ouais. C'est pas grave, c'est des détails. Ah ouais la hatch donne de la. Ok donc j'ai lancé un over pour rien en fait. Je vais pas l'annuler parce que ça coûte une larve et c'est un peu con mais. En fait la hatch donne 6 de pop et du coup j'ai pas bien calculé là. Hop, quelques airlings, on sait jamais. C'est pas contre qui on joue. Ah du coup je suis à 25 sur 36, ça pue un peu le sexe là. Oh le sexe aussi. Alors Protoss. Il fait un stalker. Ouais il fait un stalker, on va pas faire le con. Ici on a pas 30 000 spots de scout hein. Faudrait lancer le speed. Voilà. Hop. J'entends mon PC qui tourne, en fait le problème c'est qu'il chauffe trop et du coup je perds beaucoup de puissance dessus. Pas de puissance mais il chauffe quoi, simplement, et il chauffe et c'est pas bien. Un PC qui chauffe c'est un PC qui vieillit vite, simplement. Hop. Tiens hop, petit creep tumeur. Je ne sais pas ce qu'il fait, bordel! Voilà. Hop. Alors on drone un peu, on drone un maximum. Est-ce qu'il a une B2?
Ouais, j'ai l'impression qu'on tombe contre des mecs pas très bons en fait. Je sais pas s'il y a un ladder. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là. Bon, tant pis, on va le terminer vite. Hein. Allez, prod de Zergling enclenché, messieurs, dames. On va faire des Zergling. We don't give a damn fuck. Pas besoin de creeper, à vrai dire. Il fait un Mastalker sur une base, le mec. Go to Zerglings, quoi. Allez, go. Oh man, il passe juste à côté quoi, la blague. Et voilà, on a gagné. Qu'est-ce que c'était que cette partie, bordel? On verra. Hop. Bon bah voilà, c'est gagné. Hein. Allez hop, on circle bien. On fait ça proprement, même si c'est on peut cliquer comme des retards. GG. Et voilà, c'est gagné. Tu gagnes, Tididi. Ouais, t'es pas Tididi. Ok, bon. C'était une petite vidéo comme ça, histoire de remontrer de l'activité un petit peu sur YouTube. Hein. Il est pas mort, je l'abandonne pas du tout. Hein. Je vais le réalimenter très prochainement. J'ai des projets en cours de réflexion. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo. Je fais des gros poutous à tout le monde. Ciao, bye bye.